coup, il y avait l'idée d'être présent le long de la route pour éviter que les flics fassent de la merde le long des lieux de vie. Et du coup, c'est pas mal si là, pour les deux prochaines semaines, du coup, il y a du monde qui se motive à venir relayer les copains-copines surveiller un peu les flics pendant le déroulement des chantiers. Parce qu'ils viennent aussi faire du renseignement, ils viennent aussi faire du fichage, ils sont équipés. C'est des grosses opérations de flics, ça a tendance à être stressant, ça a tendance à être bien chiant. Alors merci de participer. Ouais, là, il y a une semaine, quand on pensait qu'il n'y aurait que la DDE qui viendrait faire des travaux, on envisageait de faire une commission trauma pour être solidaire des personnes qui vivent à proximité de la route, que c'est déjà traumatisant les travaux et que du coup on pensait faire des cookies ensemble. Enfin, je sais pas, d'être présente un peu en solidarité. En fait, là, c'est des plus des flics. Et du coup, ce serait bien de se rappeler de ce truc-là qu'on avait envisagé collectivement. Du coup, ouais, c'est voilà, c'est pas aller taper le cookie avec le Condé, mais c'est quand même être là avec les potes, quoi. Ce serait bien qu'on le fasse. Là-bas, c'est une place de parking souterraine, un de nos deux. C'est mon chantier. Vous vous rappelez hier matin, je vous disais qu'il fallait aller chercher mon matos pour mon chantier. Ça, c'est mon chantier. Et je peux aller travailler. Ouais. Combien vous êtes? Moi, en tout cas. Je suis là, vous allez me voir. Non, mais on va vous faire traverser. Mm-hmm. C'est juste que s'il y en a d'autres, on vous fait traverser. Bah, moi, je suis là déjà. Ouais, ouais. C'est quoi les cailloux là? Bah, c'est pour le chantier. Non, mais je viens, mais faut couler avec les cailloux, quoi. Non, mais on est trois, vous êtes 600. Non, bonjour. Vous avez pas perdu un petit caillou quand même. Il est très allégé. Regardez le nombre de gendarmes qui sont dehors. Pas beaucoup. Ah oui, mais en nombre de camions. Ah, en nombre de camions. Parce qu'en fait, on est sur une grande tortue. C'est un grand. Et on touche pas au grand chef comme ça, monsieur. Hein, t'as vu comme lui a tapé sur le poids de tout, là. Monsieur le caméraman, il faut faire votre carrière. Oh non. Est-ce que je peux passer une annonce parce que ma mère ne sait pas que je suis là. Maman, je suis là. Voilà. Voilà, elle le sait. Ah, je recherche un câble de ralenti pour un Mercedes 406D années 75. Merci de me rapporter la pièce. C'est sympa. Ah, profite de passer des annonces, il y en a marre. En hangar, sécurité, ça recrute dans les tranchées que vous avez creusées. Comment sentir en paix, entouré d'une armée. Combien d'alarmes on a fait sonner, mais ce n'est pas un exercice, et un excès de vis, rendez-vous service, au nom de votre sécurité, arrêtez de serrer la vis, on sert déjà la ceinture pour payer les factures, il y en a même qui se la servent pour arrêter de baisser leur fille, au nom de la sécurité, c'est votre slogan séculier, surveillez mon cellulaire, y'a rien à voir circuler, bien sûr que je vous pollue l'air, écoutez la rue hurler, y'a plus de qui c'est lié. Au dépourvu, on se mettra pas en garde à vue. Le nombre de caméras accrues, même dans la rue, on garde à vue. Garde à vue, la rage est en cru. Au nom de la sécurité, la liberté a disparu. Photo et après les photos, ça prend 2 secondes à prendre une photo. Bah, c'est une vidéo en fait, ça prend un peu plus. Vous pouvez nous expliquer pourquoi on peut pas. Parce qu'on n'a pas le droit de mettre pour votre sécurité, monsieur, il y a les camions qui passent, c'est juste pour ça. Là. Sur le site inforoute au pluriel .loire-atlantique.fr, service du département, la D281 est signalée en manifestation sociale pour une durée indéterminée. Restez assis.
Mais c'est quoi? C'est quoi? Le pied, il ressemble aux autres. Et alors, c'est laquelle qui gagne? C'est pas forcément la plus grosse. J'espère en tout cas, parce que bon, on connaît le cinéma. Bravo! Je déclenche, bac de flash, prends dans la cabessa. C'est caché pour les flashs, y'a pas de caméra. Que pour les camés et les rats, le plan des jeux fera. Des l'état d'urgence sont en place. Prêt à faire face. Au nom de la sécurité, à l'âme de large, la sécurité au sens où vous l'entendez. Du sang plein les mains, de la domination du pouvoir à l'esprit. Allez, c'est dans les arbres. Allez. Non, dans le champ. Ah ouais. Ah, il est tout dans le champ. Oh, oh. Donc le convoi, il est entouré de flics à pied qui dégagent des obstacles et le convoi il avance comme il peut. Là je pense qu'il va arriver au niveau du sabot dans 30 secondes. À vous. La main ici de Jessie, on commence à voir les guirlandes. Pouet pouet, voilà les infos trafic de la semaine. Alors il y a les arrêtés préfectoraux qui ont été renouvelés pour la période du 8 au 15 février. Ces arrêtés préfectoraux, ils interdisent le transport de différents trucs du style des armes par destination, des munitions, des explosifs, des pétards, des feux d'artifice, des produits inflammables comme l'essence ou le gaz. Et on nous a signalé des équipes de flics mobiles qui font des contrôles dans les environs. Ça peut être les entrées des quatre voies, à Éric, à Vigneux de Bretagne, ou encore dans les centres des bourgs, ou aux extrémités de la ZAD. Et ces flics, ils bénéficient de réquisitions qui leur permettent de vous demander d'ouvrir les véhicules et de les fouiller. Elles sont renouvelables toutes les 24 heures, donc si vous êtes contrôlé, vous pouvez leur demander de vous montrer ces réquisitions. Et si, si la date ne correspond pas, vous pouvez refuser d'ouvrir votre véhicule. Sinon, ils font des contrôles d'identité, contrôlent l'assurance du véhicule, le permis de conduire et voilà un peu les trucs de base. Du coup, si vous êtes sur la route dans les environs de la ZAD en ce moment, bah, faites attention. On a un peu du mal à dire où est-ce qu'ils vont être et quand. Et du coup, ils peuvent apparaître à tout moment. Bonne chance et bon courage. Bon, pour l'instant, on est au curage. Hein, des chicanes. Ouais, mais apparemment, il y a des chicanes. Non, non, mais on va remettre des chicanes sur la route des chicanes. C'est pas possible. Mais vous avez d'autres. Il est des ralentisseurs. On va mettre des chicanes sur la route des chicanes. C'est les droits. Non, non. Non, symboliquement, ça ferait défaut. Non, non. Il faut être raisonnable. D'accord. Oui, ça, c'est pourtant. C'est qui raisonnable? Il est où? C'est raisonnable, raisonnable, raisonnable. Raisonnable. C'est raisonnable. Qui c'est qui a appelé son chien raisonnable?